Bonjour tout le monde, troisième vidéo sur No Man's Sky et je reviens dans cette station spatiale parce qu'il semblerait que c'est ce que je vais faire. Après avoir découvert le plan, je devais revenir dans ici pour acheter un résonateur dynamique au terminal de commerce galactique. Alors c'est par où? On va voir si c'est bien par là. C'est ce que je vous disais hein, dans la toute première vidéo, ce jeu, vous allez avoir du commerce. Donc là je dois acheter le résonateur. De m'excuser, un petit peu enroué ce matin. Je cherche des gens qui vendent des objets. Et qui sont. Très bien. Allez. Pas perdre de temps comme on l'a déjà fait sur la vidéo précédente. Bien ici, hein, je suis sur la bonne station et je dois acheter donc un résonateur. Vous voyez, acheter un résonateur dynamique au terminal de commerce galactique. Je suis au terminal de commerce galactique. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas la possibilité d'acheter. C'est foutu. Si j'appuie sur M, ben, station spatiale 17, donc j'y suis hein. Maintenant fallait peut-être utiliser l'ordinateur, ils ont peut-être un envoi Bipost ou DHL, je sais pas. On va voir. 6, 5, 4, 3, 2. Voilà, c'est ça, on va sur un site. Tout à fait, bienvenue dans la matrice d'approvisionnement du marché, séquence de réinitialisation du terminal, distance à pied, acheter des articles dans le centre commercial. Alors, j'ai besoin d'un résonateur dynamique. C'est ce qu'on avait dit. Hein. 32 556 unités. Logique. Logique. Donc là, je suis dans acheter. Clic 3, je vais vendre des articles de mon inventaire. Bien sûr, hein, vu que je ne peux pas acheter. Ah là, bon, pff, du fer. Allez hop, on vend le fer. Capsule énergétique, ça vaut peut-être pas la peine. Prie de m'excuser. On va vendre toute platine qu'on a. Hein. Voilà. Tamium, surtout pas l'éclat de blindage. Oui, bon, on pourrait le vendre. Du zinc, de l'iridium, du plutonium. On n'a pas trouvé tellement hein, du tamium, bon, c'est ce qu'on a dans l'espace, mais ça nous permet d'avancer. Voilà, cube de convergence après tout. Voilà, donc maintenant on va pouvoir acheter le résonateur dynamique. Voilà, il a été acheté. Donc, vous voyez, il y a du commerce à faire. Hein. Je vais aller dans le vaisseau, je vais installer et je vais installer l'hyperpropulsion. Voilà, l'hyperpropulsion, il me manque de l'iridium. Donc il va falloir que j'achète de l'iridium. Parce qu'on peut en acheter ici directement. On va voir tout de suite, sinon je vais devoir retourner sur une planète le chercher. Voilà, de l'iridium. C'est moi qui venais de le vendre. Il n'y en a pas plus loin. Logique, quoi se faire. Non, il n'y en a pas plus loin. Est-ce qu'on a assez d'iridium? Ce dont je doute, il va falloir retourner sur une planète chercher de l'iridium. Ah, je confonds mes boutons, je peux m'excuser. Voilà, il me manque 46 iridium. Donc je vais devoir retourner sur une planète chercher de l'iridium avec mon vaisseau. Bien, mais
multi-outils. Non. Alors oui, j'ai augmenté mon intensificateur de rayon. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non, tant pis. Va falloir retourner sur internet chercher l'iridium. La planète qu'on trouve, hein. Étape de voyage atteinte, oui, je veux bien. On a gagné de l'argent. Est-ce qu'il y a pas une planète plus proche? Voilà, toi tu es bien proche. Sur Polo. Il faut que je règle avant la prochaine vidéo le problème de ce. Vous voyez, je me suis posé quasiment infecté, hein. Je commence à devenir meilleur à ce niveau-là. Plein de ressources dont je n'ai que faire, mais je les ai. Du fer, vous allez me dire ça se revend le fer, mais non, moi je suis pas là pour ça, je suis là pour choper la ressource qui me manque. Très embêté parce que je ne le vais pas. On prend le vaisseau, on va aller un petit peu plus loin. Ça va vraiment être ça le jeu, ça va être avancer dans les petites missions. Que je suis au max, mon inventaire est plein, youpi. Bon, hop, on transfère l'objet, on transfère l'objet, on transfère l'objet. Pas besoin de tout ça. Période de fascination. Alors on découvre plein de trucs qui nous servent à rien, personnellement, actuellement. Donne-moi ce que je cherche. Pourquoi tu veux pas me donner ce que je cherche? Là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Est-ce que c'est ça? C'est du platine. On s'en fout du platine. L'alumine. Ah, on connaît pas l'alumine. C'est très rare. Hein. C'est vraiment très cher, après tout. Donc, sur ces planètes, je suis un petit peu malheureux, me semble-t-il. Hein. On a peut-être des analyses à faire. Hein. Il n'y a rien de faire avec ça. Pas moyen de rentrer et sortir, c'est ça.
précis. Amélioration de la combinaison. Voilà, hop, un nouvel emplacement. Génial. Je prends l'article. Il faut vraiment chercher après ce genre d'objet. Parce qu'une place de plus en inventaire, je peux vous assurer que ça va être quelque chose de très utile. Bon, allez, hop, hein. On est parti. Carburant insuffisant. Donc ça va être l'autre problème, c'est pour pas rester bloqué sur une planète. Bon, je vais m'arrêter ici près des caisses. Et après ben, j'ai arrêté la vidéo, je vais peut-être changer de planète pour la suite de l'aventure. Je verrai bien. Un bruit. Rien n'a été trouvé. Ça arrive. Hein. Souvent, ça arrive. Par où rentre-t-on ? Déjà, est-ce qu'on peut rentrer ? Voilà, les babettes. Les herbivores. Alors, pas encore d'ennemis à part les petits drones comme on l'a vu dans la première vidéo. On a pris le mot geek en geek. Pardon. Bon, on va voir ce qu'il y a dans cette station spatiale. Et après, on arrêtera la vidéo là-dessus. Ce sera à vous de dire si vous désirez une autre vidéo ou pas. Fait un petit signe de la main, il a l'air de... Voilà. Que va-t-il se passer ? La petite créature est occupée à compter ses bénéfices lorsque j'apparais. Elle écarquille les yeux d'impatience et frotte ses doigts avec avidité. Elle picore énergiquement les symboles monétaires de sa tablette, puis se met à sautiller. Je remarque qu'elles sont délicieusement bon. On va donner des unités, hein, ça a l'air d'être un commerçant. La femme de vie paraît ravie, elle me donne quelque chose en échange. Et on a bien fait. Hein. Rayon phasique, arme laser et outil d'extraction d'astéroïdes. Attention, les éléments d'isotopes sont requis pour recharger le dispositif. Là, on va pouvoir faire évoluer notre... Est-ce qu'on peut reparler avec la bébête ? Il y a peut-être des choses à acheter avant. Ah, le marchand accepte de nous aider. On va devoir apprendre... Bien, on apprend de nouveaux mots, de leur langage, ce qui est très bien. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que nouvelle étape de voyage atteinte. Qu'ai-je fait ? J'ai rencontré deux extraterrestres. Waouh ! Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. Vous n'hésitez pas, si vous désirez voir d'autres vidéos, vous me faites savoir. L'aventure de toute manière, je pense que je vais la continuer. Je vous rappelle, je suis en Belgique, vous comprenez pourquoi en été on éternue. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais reprendre mon vaisseau. Je crois que je vais changer de planète parce que voilà, celle-ci n'est pas appropriée pour ce que je recherche. Peut-être que celle-là le sera. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas en expliquant le pourquoi. Et si vous avez des petites aides à m'apporter, n'hésitez pas. Sur ce, au revoir.